Wesh les potos, bienvenue pour ma quatrième vidéo et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui est de extorquer des acolytes KO dans plusieurs parties. Alors qu'est-ce que c'est des acolytes? C'est tout simplement les nouveaux PNJ ou les nouveaux bots qui sont apparus depuis la saison 2 du chapitre 2 sur Fortnite. Alors bien sûr ces acolytes n'apparaissent pas partout dans la map. Alors je vais vous afficher une petite carte avec tous les emplacements des acolytes. Il y a 10 emplacements, comme vous pouvez le remarquer. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans l'un de ces 10 emplacements. Et ensuite, quand vous serez sur place, vous allez devoir tuer des acolytes. Quand ils seront en PLS, ne les finissez pas. Avant de les finir, appuyez sur carré. Et là, vous allez extorquer des informations à l'acolyte. Ce qui vous permettra de savoir les emplacements des coffres et les autres emplacements des autres ennemis acolytes. Pas des autres ennemis joueurs, seulement les autres ennemis acolytes. Cependant, vous avez la possibilité, si vous jouez en duo ou en section, de questionner un réel joueur adverse. Si vous êtes en duo ou si vous êtes en section, quand vous allez interroger le joueur adverse qui est en PLS, ça vous indiquera la position de ses alliés pendant quelques secondes. Donc, regardez bien à gauche et à droite si vous ne voyez pas un petit point rouge qui vous signale la position de l'ennemi. Donc voilà, cette petite nouvelle fonctionnalité sur Fortnite est assez sympathique et très cheatée je trouve. Mais bon voilà, c'est là et il faut s'en servir. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.